Okay. Hey, 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 cucu, mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Crooks, The Big Heist. Je retourne cette intro parce que mon enregistrement a merdé de fou, encore une fois, au début de l'enregistrement de cet épisode. Vous voyez, c'est saccadé et là, au niveau du son, normalement, c'est super pire. Donc, voilà, je réinvite cette petite intro et je vais déjà attaquer la suite. C'est l'épisode normal avec, je me pose des questions de comment faire pour arriver au troisième baraquement. Voilà, bah je vous laisse, j'espère que l'épisode vous plaira. Trouver le bon timing pour aller défaire la caméra. En fait, il pourra passer comme ça. Une fois que la caméra est... On va là. Ils sont là-bas. Ils sont ici. Est-ce qu'on retourne par là? Est-ce qu'on va... Je ne sais pas. Parce qu'après, on peut même passer ici, mais ici, c'est bloqué. Ah, oh. Ok. C'est ici, non? Attendez. Je vais mettre en play. Lui, il sort. Ok. Faudrait... C'est un peu tendu. Il va falloir que je sorte de là où je suis. C'est soit je reviens là, au milieu des camions. Et il faudra pas me ça. Bah, après, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est peut-être le plus facile, sauf que à lui s'en va. Ah, bah on va faire ça. Allez. C'est assez safe, de toute façon. Ici, lui, il va voir jusque-là, donc on va mettre là. Normalement, voilà, ouais, il va pas plus loin. Comme il stationne. Ah, vous êtes déjà là. J'espère bien que vous êtes parés. Non. Oh là là, Pierre, j'ai peur que mon jeu crache, hein, comme la dernière fois. Ok. Lui, après, il va se tourner, tout ça. Là-bas, il y a... Merde, il arrive. Là, il y a lui qui est là. Et là, il y a lui. Mais il va pas dans les... Les mirettes ne vont pas jusque-là. On va les faire aller En jusqu'ici. avant. Tout va bien? Ça devrait le Bon faire. travail. Just in time. Normalement, de toute façon, ici, c'est la bonne planque, hein. Oh! Mon jeu, il a quoi? Il veut faire quoi? C'est pas super! Je suis en train de me dire... Le gars, il est... Je peux peut-être désactiver une caméra là, comme ça, on aurait plus de mages... attendez. C'est parti! Je peux venir là. Non, 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 non. Comme ça. Et défaire là. Est-ce que c'est possible que tu me fasses ça? Il y a l'air, hein. Oh. Le temps qu'il me fasse sa caméra, après il revient, il se planquer ici. Oh, putain, j'ai peur lui, mais ça, il reste à l'intérieur. Oh, vite. Reviens là. Oh là, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ça va, ça ouvre de quelques plus possibilités pour aller là et pour aller là sans être vu. Au lieu d'avoir que ici en fait accès. Donc ça c'est bien. Ça c'est très bien. Je pourrais même désactiver celle-ci. Oh, mais il y a une trappe là. Oh! Ah, mais il y a une caméra. Ah ouais, il faut quand même que je rentre là. Est-ce que je peux faire elle? Elle peut très bien rentrer par ici, récupérer et tout. Et aller appuyer. Ce problème, c'est que j'ai quand même une caméra. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que je rentre là. Oh, il y a un bloc-porte. Ça, c'est bon, ça. Ok, bon. On va procéder par petites étapes. Façon, je vais attendre qu'ils passent tous. Oula. Ouais, c'est tout juste, hein. Là, c'est bon. Waouh. Mais lui...
Il s'en va, lui il refait encore un petit aller-retour, j'imagine. Ok. Là, il y a personne. Là, il y a quand même un mec qui est là et qui va regarder par là pendant un petit temps. Est-ce qu'après il arrive là? Et j'ai peur que l'Opco il soit pas assez rapido. On va tenter. Oh là là, on va tenter. Non, il est trop rapide. Non. Bien. Ouais, trop rapide. Trop rapide! Par contre, les deux autres, lui, il est déjà là-bas. Je suis pas sûre qu'il voit jusque là-bas. Tu vas venir t'occuper de ça et revenir. Je suis pas sûre, parce qu'en plus, il regarde là, mais il va à son faisceau, il va peut-être pas aller jusque là-bas. Oh bah de toute façon je vais voir dans quelques secondes. C'est bon, il a fini. Oh, c'est cool. Ah bah voilà, on est débarrassé. Ah non. Il va falloir rentrer là-dedans. Rentrer là-dedans, mais il faut quand même que je défasse. Ah ouais. On a un qu'un. Alors. Je pense que je vais devoir emmener. Comment il s'appelle? Rufus. Ça va barder, Rufus. Lui, toi, tu vas devoir revenir ici pour taper sur le mec. Donc, en fait, tu vas devoir te taper le tour, là. Parce que lui, on va pouvoir le foutre par terre quand il sera là. Il sera hors jeu et on est tranquille. Ça, j'avais essayé dans le tout premier épisode de cette mission. On était tranquille. Et après, il va falloir jouer avec lui qu'on peut rien faire. Envoyer Lobkowitz qui défait la caméra d'ici, déjà. Ensuite, envoyer Bishop qui ouvrira. Et à partir de ce moment-là, on pourra rentrer à l'intérieur quand lui, il aura le dos tourné. Je pense que c'est la meilleure option. Et agir après. Lobkowitz et Bishop, pour moi, c'est minimum syndical. Hein. Bishop, il pourra faire tout ce qu'il faut à l'intérieur avec... Bishop, il ouvre les portes, les machins. Et Lobkowitz, il fait les tableaux de distribution. Bon. Ça veut dire que... Toi... Où est-ce que je vais le faire passer? Lui, il va aller par là. Et il regarde par là. Ouais, c'est un peu chaud. Je peux pas passer par là. Et lui, il va venir. Pinaise. Ouh, pinaise! Faut que je trouve... S'il va jusque là. Mais non, il était en train de rentrer. Je me suis compliquée. Mais merde. Ah ouais, mais non, mais là, c'est mort. Toi, je vais pas voir. Ouais. Tant pis, non. Là, tu m'as... Ah, tant pis. Bon. Oups, j'ai pas fait gaffe, c'est pas grave. On va recharger la partie. Ça arrive hein, d'avoir des fuck. Des quacks. Des fuck. Oh là là, je vous jure. Il nous a save où? Ok, on est encore là. Je vais bien sûr remettre les infos sur les gardes, sinon c'est compliqué. Bah, du coup, mec, tu vas pas aller jusque là parce que c'était plutôt safe vu que lui il repartait dans l'autre sens. Tu vas directement avancer. C'est une question de timing. Je sais pas s'il aura vraiment le time. Parce que là, il y a la caméra. Mais lui, il va voir loin, en fait. Je vais le mettre là.
que tu peux passer là? Oh, oui! Oh, mais je suis vaisseau! Je suis sauvée! Du coup, il passe pas dans le fil de caméra, ni dans l'œil... Plus, il est hyper rapide, mais il a un angle de vue terrible. Stop, tu vas te mettre là. Est-ce que tu peux aller taper maintenant tout de suite? Ce serait... ouf. Ouais. Ok. Premier truc atteint. Alors là, on va devoir attendre parce qu'il y a ce mec-là qui va sortir. Ah, et puis il y a celui... Ok, bon, de toute façon, le timing est pas le meilleur. Je vais devoir préparer mes compétiteurs. Salut. Tu peux te mettre là. Toi, t'es safe. Mets-toi là, plutôt. Ça me rassure. Derrière les palettes. Les caisses, tu... Ouais, faudra que... Lui, il a tourné le dos. Donc ça y est, on peut avancer. Non, mais pas par là, mon gars. Tu vas venir là, comme ça. Toi... Comme lui, dès qu'il tourne le dos, on pourra aller... Bah, suivre la même chose que l'autre a fait que... Comment il s'appelle ? Non, pas par là. Ah, je vais y arriver. Que notre catcheur là, comment il s'appelle? Rufus, ça fait punaise, j'ai mis un trou là. Et ce ramage, ça me fait très très peur. On va s'organiser. Là, ils sont safe parce qu'après lui, il va se retourner, il va encore regarder. Faut que j'envoie Bishop ici, se planquer là. Et alors que Lobco, lui, il va aller faire la cam. Je vais devoir gérer deux mecs en même temps. Allez! Ok. Ouais, ouais. Et lui, il va... Ok. Bah toi, t'es obligé de venir là. Putain, mais ça rame, c'est horrible. C'est parti. Tu peux faire ça, stop. Je sais même pas si j'aurai le temps de le sauver. Oh là là. En plus, il est pas rapide du tout. Attendez, je fais sécurité, tu passes là, s'il te plaît. Je vous jure, j'ai réussi. Tu peux aller là. Toi, t'as fini. Ouais, viens. Mais sneaky shoes ici. Tu me défais celle-là, en fait. Comme ça, au moins, ce sera fait. J'ai réussi à les faire tous passer! Oh là là, ça c'est bon. Oui. Tu peux t'avancer. Oh, ça me fait peur. Mais non, il va pas le voir, c'est le coin. Vas-y, tout de suite. Et tu reviens là. Merde, non! Mais c'est la seule que j'ai pas jouée. Oh, je suis dégoûtée. Oh non, je vous jure, mais c'est tellement bête. Attends, ouais, ça c'est bon, c'est fait. Parce que là, il faut que je fasse gaffe aussi, parce qu'il y a d'autres mecs qui vont regarder. Ok, tu vas venir là. Non, tu vas pas venir là. Mais barre-toi, toi! Oh, c'est just in time, les enfants.
Normalement, c'est bon, il la verra plus, hein. Alors, ici... ici, j'ai réussi à débloquer le truc. Non, mais voilà, j'aurais une petite jauge qui a monté. Bah, tant pis. Zen, là, là, faut que je me calme. C'est zen, zen du zen du zen. Interrupteur à bascule, ok. Mais arrête de me faire ça, le jeu, tu me stresses. Alors, normalement, elle, c'est bon, c'est réglé, hein. Il va, voilà, il va rejoindre son truc là et elle, je la laisse ici. Ah, je vous jure, ça me stresse, mais logiquement, elle n'est visible de nulle part. On verra bien. J'aimerais pas. C'est bon, il reprend directement son truc. Ok. Allez, on va se concentrer ici. Le gars va sortir. Il va faire sa petite. Ouais. Ok. Faut que je prépare. Au travail. Ouais, ouais. Voilà. Vous venez là. Sneaky, sneaky. Pendant qu'il observe là, je bouge pas. À peine. Pas plus, parce que sinon on se fait repère, hein. Ok. Il faudra défaire les cams. Faire ça. Oui. Toi tu fais ça. Ah oui, il a un inventaire full déjà. Excusez-moi. Fais ça et tu fais ça. C'est parti. Toi, tu prendras ça. Oh là là, je vous jure, hein. Je vais regarder, hein, parce que si elle est bien, normalement elle est bien. Bon, ça mettra une alerte, hein, mais bon. Lui, pour l'instant, le jaune est activé, donc il n'a pas besoin de refaire quoi que ce soit. C'est quoi le topo ? Good, 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 good. Ok. Bien reçu. Il est en train de revenir. Tu viens faire ça, s'il te plaît, de l'intérieur, comme ça vous serez tranquille. Ça y est, on est rentré, on est rentré. Pourquoi j'ai ouvert la porte là? Je sais pas, dans un moment de stress. Par contre, il y a de la thune ici, mais... J'ai rien pour... Par contre, j'ai un petit pouet-pouette et un lubrifiant. Est-ce que j'en aurais besoin de ça? Pouet-pouette, je pense que je vais le prendre. C'est-à-dire que... Ah, mais il en a déjà un. Faudrait qu'en ressortant, je fasse le truc de l'aimant. Est-ce qu'il y a peut-être un levier quelque part? Ah, interrupteur lourd ici. Je ne sais pas du tout si quelqu'un en aura besoin ou pas. Ça, je peux faire rentrer elle. Je suis pas sûre qu'on pourra vraiment avoir besoin de ça. Je ne sais pas, puisque je ne suis pas encore en train de faire le dernier baraquement. Au travail. Je peux m'ouvrir ça juste comme ça, c'est fait. Au niveau des trésors, je suis à 5 sur 10. Je suis à la moyenne. Arrête! Ne t'arrête pas, mais arrête de me faire des... Pendant qu'elle fait ses élongations, là. Arrête de me faire peur comme ça. Donc ça, c'est fait. Ah, c'est vraiment dommage. J'ai rien. J'ai même pas... Ouais, j'ai vraiment rien pour les assommer, les mecs. Là, il y a quoi? Une clé, un truc de laser, il y a une fourche... Ah, il y a deux fourches Tesla qui se baladent ici. Ah ah. S'il y aura des interrupteurs. Un interrupteur lourd. Non, il est seulement là-bas. C'est juste un interrupteur à bascule. Donc l'interrupteur lourd, il est là en fait. Le problème, c'est que si je peux pas envoyer Rufus, je suis obligé de le prendre. Ça, c'est juste un bascule. Ouais, un bascule. Bon. J'ai 1, 2, 3. En même temps, si j'ai besoin, c'est elle qui viendra le chercher. Tu vas dropper.
pas le dropper dans les toilettes. Et tu vas me prendre ça, du coup. Je fais un sacrifice. Accessible. Voilà, moi j'ai un truc. Au cas où, je sais pas comment je vais faire, mais... Mais là, bon, les sous, c'est dommage, mais je vais pas pouvoir les... Est-ce que... Non, lui, c'est juste... Ouais, il n'y a pas de... C'était... comment elle s'appelle? C'est Cléopâtre qui peut, elle, s'aventurer dans les cercles rouges, en fait, sans être notifiée, mais... Qui n'est pas le cas de mes bonhommes, donc je vais pas pouvoir prendre l'argent. Je vais essayer, hein, mais... Non, en plus, déjà... Ouais, voilà. Il est un peu con. Ouais, voilà, j'aurais tenté. Ouais, mais j'ai tenté et je savais bien que je pourrais pas. Donc, bah voilà, on va passer à... On va faire l'impasse sur ces deux trésors-là. Et puis, tant pis, quoi, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Ouais, on était bien. De toute façon, il y avait zéro difficulté. Non. Et toi, tu viens là, tu t'en prendras pas les sous. Ah, c'est dommage, il vient retirer. On est juste un petit peu en retard. Bon, on va attendre qu'il ait fait une garde, parce que... Quoique, non. Ah ouais, attends. Tu vas avoir du mal si on t'ouvre pas la porte. Je suis pas apte à faire ça. Oui, je sais. T'inquiète pas, on va te rendre apte. Tu vas me faire ça pendant qu'il est pas là. Je n'ai pas les compétences nécessaires. Tu déconnes ? Une serrure à crocheter ? Ce n'est pas mon domaine. Oui, d'accord, t'énerve pas. C'est parti. Bon, bah, il faut le faire avant, en fait, enfin, en même temps. Je les enferme. J'attends, parce que là, ça va être trop compliqué. Pour les refaire ressortir. Donc on va attendre un petit peu que le gars fasse son aller-retour. Ce jeu est vraiment trop cool, quoi, quand il plante pas. Mais non, voilà, ça fait vraiment travailler. Je suis contente parce que là, finalement, j'y arrive un peu. Je fais l'impasse sur certaines choses, mais après, des trésors, c'est pas... Voilà, c'est pas le but numéro 1 de la mission, hein. On a encore beaucoup de choses à faire sur cette mission. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, là. Dès qu'il s'en va, enfin, dès qu'il tourne, oui, effectivement, tac, je peux rouvrir la porte. Comme ils sont quand même très bêtes, même un bruit dans leur dos va pas les... Ils vont pas se dire, oh tiens, il s'est passé un truc. Non. Je suis prêt. Non, ils sont pas comme ça. Ils sont pas comme ça. Attention à la porte, il se ferme pas. C'est bon. Vous pouvez vous mettre derrière la porte. Il s'en va. Ça, c'est... Ah, c'est connecté à ça. Le fameux interrupteur lourd, ok. Et pour aller là... J'ai trois destructeurs. Je pourrais... Ah oui, il y a un mec là. Je pourrais casser et accéder ici. Ce sera très récent. Parce que je l'ai fait venir là. Je casse là, je casse là et je casse là. En plus, on désactive la caméra. On a déjà désactivé à l'intérieur. Ouais, il reste toujours la caméra. Ouais. Ah, il y a des soucis. Mais il faudra quand même que je rentre dedans. Et là, il y a un mec qui est statique. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais là, d'ailleurs? Je laisse partir le gars et j'oublie de ramener mes propres mecs. Ouais, ouais. Venez là. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, soit je passe par là. Il faudrait quand même que je fasse
avec lui là. Après j'ai quoi? J'ai un poète poète. J'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Est-ce que je me dis pour le faire bouger en entrant et en sortant, il va falloir que bah que j'ai le poète poète adéquat pour le faire bouger. Comment je peux faire? The Covid, il pourra pas tout faire non plus en fait. Absolument, je rentre dedans. Comment je pourrais faire? Excusez-moi. Ah! Déjà. Je pourrais peut-être envoyer l'Opcovitz ici, par exemple, sur le. Ah ouais, il y a une caméra aussi. Bah, ça, après, je viens ici, enfin, je reviens là. Et on désactive la cam ici. Ok, c'est... d'accord, ok. Elle est connectée à quoi, ça? Ah, ici. Ok, oh là là, mon dieu, c'est. Hein? L'Opcovitz, il pourrait très bien passer là pour désactiver derrière, dans le dos du gars. Lui, il résiste à tout, le mec. Lui, c'est quoi? Ah! On peut le mettre par terre! C'est intéressant. Ça veut dire que lui, si, parce que s'ils sont gros et tout bordel, ça veut dire qu'il. Ben. Voilà, faut les mettre par. Par contre, lui, il sert vraiment à rien. Il est là, mais il y a rien, il se passera dans sa pièce. Ces trois-là, on pouvait les mettre par terre, quoi. Bon, récupérer les sous, mais je n'avais rien pour, donc quoi. Mais lui, je peux le mettre par terre, mais pas lui. Écoutez, je ne sais pas. Faudrait que je me renseigne. Je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour la suite de Crooks. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Ciao.